Salut à tous, c'est Cyprien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live. Nous sommes le dimanche 20 novembre, il est 9h42 et aujourd'hui on se retrouve sur du Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, on continue notre petite aventure, bientôt une nouvelle mise à jour qui va arriver. Donc potentiellement mise à jour le 27 ou le 28 novembre sur Toy Story, donc on aura beaucoup de contenu, ne vous en faites pas que le jour de la mise à jour, je serai présent. Oui. Donc voilà, alors aujourd'hui ça va être comme d'hab, un peu de farm. Je vais terminer mes missions, il m'en reste 4, donc je me suis gardé quelques missions pour m'occuper encore un petit peu jusqu'à la mise à jour. Et voilà. Ok, là, comme tous les jours, on achète tout dans le magasin de Picsou, comme ça. J'ai cru voir 112 000. Attends, j'ai cru voir 112 000 pièces. Ok, donc pour le moment, c'est plutôt tranquille. Voilà. Pif, paf, pouf, on achète les petites 4 rôles de rayettes. Ratatouille. Attends, j'étais à 1 million, il y a déjà 100 000 qui sont partis. C'est pas mal, hein. Je me dis, je peux rester peut-être à 850 000. La jouette à 850 000. Ah, 820. Ok. C'est des petits accessoires. Le vase peint. Voilà. On va aller voir là-haut qu'est-ce que nous avons. Là, on a une table, grande table à manger. Ouh, où il est pour le canapé donc là. Ok. Ouh. Ouh, ça c'est le monde de rêve. Elle est morte. Ok. Et voilà, nous avons tout acheté une nouvelle fois dans les magasins de Picsou. Je vais aller arroser mes petites citrouilles là-haut. Je vais aussi arroser les petites fleurs parce que elles sont en train de mourir ici. Là c'est bon. Voilà, là c'est plus beau. Voilà. Alors on va aller juste arroser les petites fleurs là-haut parce que je sais pas les petites fleurs. Des petites citrouilles parce que je sais pas si il va pleuvoir ou si il va pas pleuvoir ou autre. Donc autant le faire. Ok, donc on doit faire 7700. Pas sûr que je sois au 7700, mais je serai peut-être au 7002. Donc on verra bien, mais au moins je pense que ça sera bientôt fini. Peut-être aujourd'hui ou un autre jour, mais voilà. Ok, hop, et hop, et là. Bonsoir. Alors ce que je vais faire aussi à un moment, c'est que je vais commencer à décorer ma maison, donc étage par étage. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai plusieurs pièces pour chaque personnage. Donc une pour Mickey, une pour le monde de Raph, une pour un truc normal, etc. etc. Donc voilà. Oup, voilà. Oup, voilà. Voilà, on avance ici. Et on continue d'arroser les petites citrouilles, en vrai on en a énormément. Et ça me prend à chaque fois pour les récolter, alors pour la récolter, pour les planter, pour les arroser, ça me prend beaucoup de temps. Je dirais une bonne vingtaine de minutes je crois. C'est très long, mais je fais avec, hein. Pas le choix. Non, stop. Voilà.
Si je fais bien mon truc, normalement je peux tout arroser très rapidement encore. Faire du 7 par 7, voire du 8 par 8. Mais le 8, des fois ça passe et des fois, je sais pas, il passe pas, donc c'est assez compliqué à le faire. Hop, là ici j'aurais pu tout prendre, mais j'ai pas réussi. Normalement, en deux fois, tout est pris. Et là, il me reste. Bon. Ok, j'ai arrosé à côté, j'ai pas eu les yeux en face des trous. Je vais regarder déjà ce que veut Merlin. Éclat de verre, des crackers et hydrangé bleu. Éclat de rêve, crackers et hydrangé bleu. Normalement, je dois avoir ça, donc je vais aller regarder dans mes coffres à fleurs. Donc, hydrangé bleu. Crackers et un éclat de rêve. Alors, hydrangé bleu, là c'est lise bleue, ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas d'hydrangé bleu, donc il faut que je regarde où est-ce qu'elle se trouve. Hydrangé bleu, plage enchantée. Ok, donc on va aller en chercher. Éclat de rêve et un crackers. Donc un crackers. Très compliqué. Un éclat de rêve, j'en ai sur moi. Je vais aller faire le dernier éclat nocturne purifié. Comme ça, ça fera la mission de Scar en plus. Hop, voilà. Et voilà, la mission, elle est faite. On va retourner voir Scar, mais avant tout, on va aller voir Merlin pour lui donner ce qu'il veut. Je vais aller sur la plage pour cueillir l'hydrangé bleu. Et après, on va aller voir Scar. Voilà. Toi, au niveau du poisson, ouais, je vais quand même te le prendre. Je vais quand même te récupérer ton poisson, Vaiana. Voilà. L'hydrangé bleu. Ok, ça doit être ça. On va enlever les épines. Oh, mais non. Ça, c'est bien quand ça fait ça. Voilà, le petit coffre en prime. Ça fait toujours plaisir. Et hop, et là. Hop. On va récupérer ça. C'est l'hydrangé bleu. Donc là, tout est bon. Je peux aller voir Merlin maintenant. Alors Merlin, tu es à côté du petit lac dans la prairie tranquille. Donc tu es juste là. Je suis l'enchanteur. Bien, bonsoir Merlin. J'ai quelque chose pour toi. Alors, déjà, ton hydrangé est bleu. Ça fait un petit cadeau pour toi. Voilà. Alors, attends. On va vite fait te faire parler. Voilà. J'ai quelque chose pour toi. Des crackers, voilà. Et j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ton éclat de rêve, et voilà mon ami, comme ça tu es content. Et on a tes cadeaux pour toi. Ce qui fait que mon événement est terminé. Hop. Voilà. Là, il faut que j'aille entamer, faire des clés en chair ennemie. Les épines. Est-ce qu'il y a des gens chez Rémi? Ok, il y a elle, on va y aller après. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Moi, je vais cueillir ça, tiens. Hop, comme ça, on va pouvoir aller revendre tout ça. Ok, on a un peu de tout ici, c'est plutôt pas mal. On a des citrouilles, des oignons, poireaux,
courgettes, on a des tomates, on a des... j'oublie toujours le nom. J'oublie toujours le nom, malheureusement. Non. Allez, viens là, dingo. Salut. Alors, je vais te vendre quel... Ouh. Ah oui, c'est full. Faut que je vende des carpes. Est-ce que là, il y en a ou pas? Ouais, il y en a une là. Je suis tellement content de te voir. Hop. Voilà, voilà. On va tout vendre. Et voilà. Ok. Vendre des légumes. C'est très bien. Là, on va aller voir Scar maintenant. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Je vais aller servir. On va aller servir Anna au restaurant de Rémi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une soupe de légumes. Une soupe aux légumes. Intéressant. Alors, la soupe aux légumes pour madame. Pépépépépé. Soupe aux légumes. Voilà. La petite soupe aux légumes. Et j'espère qu'elle te fera plaisir. Salut, bonjour, j'ai ta commande et voilà, c'est cadeau. Merci beaucoup. Il me reste combien de jours? Il me reste 2 jours. Ok, donc il me reste 2 jours pour vraiment farm le pass à fond. Donc on va essayer de le faire. Il y a peut-être moyen que j'y arrive en vrai, je sais pas, je suis pas trop sûr. Mais on verra bien. Ok, donc Scar il a retourné là-haut au plateau ensoleillé. Donc peut-être qu'il va me donner le truc pour déverrouiller là-haut. On sait pas, on verra bien. Oui, une pile d'ossements. Ne me dis pas qu'elle essaie de me faire peur avec ça. Mergotel dit que je dois réduire en cendres et ensuite... Elle dit tout un tas de trucs à propos du cycle de la vie. Elle aussi, qu'une fois que t'avais tenté de la transformer en repas trop sérieux, soir, encore ça. Bah, je n'étais pas en train de patrouiller sur le plateau soleil pour assurer la sécurité de tout le village. Je te crois. Oh bon. Alors tu croiras ce que j'ai à te dire ensuite. Je l'ai vu enterrer quelque chose dans le sol avant de s'enfuir naturellement. J'étais inquiet pour la sécurité du village et les étudiants inquiétés. Une mystérieuse sphère a poussé à l'endroit où j'ai vu creuser. Elle est revenue très vite et elle a... Ok. Un chapeau pointu bleu, elle s'est enterrée le sang. Oh là là, tu commences à bailler comme là, nous savons quel problème, comment transformer ces ossements ensemble. Oui, et bien peut-être j'ai une solution. Il y a un geyser volcanique dans la grotte. Place cet ossement là-bas, la chaleur de la pression devrait le faire. Hein. Et ensuite, je présume que tu n'as plus qu'à rassembler. C'est tout, c'est l'air facile. N'oublie pas d'arroser la fleur, sinon elle ne poussera jamais. Ok. Placez les ossements dans le geyser volcanique situé dans la grotte de Scar. Ok. On va déjà récupérer les épines, on va déjà récupérer le coffre. Ok. Ah, là-bas il y en a un autre. Voilà. Là il n'y a plus d'épines. Ok, bon. Placer les ossements dans le geyser volcanique qui est situé. Le geyser volcanique. Je sais pas si c'est ça. Si c'est cette grotte là. J'ai jamais vu de geyser volcanique ici. Je vais récupérer ça, donc je suis ici en vrai. Mais ouais, j'ai jamais vu de... Ouh, un brillant en plus. Oh, jackpot. Mais ouais, j'ai jamais vu de... geyser volcanique. Je vais aller voir dans l'autre grotte en vrai, peut-être que c'est là-bas. Je ne sais pas.
Donc on verra bien. Mais pourquoi je peux pas sortir? Mais ouais, j'ai jamais vu d'ossement. Alors la grotte de Scar, ça doit être celle-là. Ouais, ça doit être peut-être là. Interagir. Ah, voilà. Ramasse les cendres, ok. Plante les cendres n'importe où sur le plateau ensoleillé. D'accord, ok. Donc ouais, c'était bien dans cette grotte là. Bah je vais les mettre. Je vais les mettre ici. Voilà. Et ensuite, on l'arrose. Ok, mais elle pousse au bout de combien de temps la fleur d'ossement? Parce que je veux bien, mais je sais pas. Je sais pas combien de temps elle pousse. Ouais, alors attends. Ok, donc quelques minutes. Bon. Bah, ça me laisse le temps un petit peu de continuer autre chose. Il me reste 3 épines. Serre des clients. Je vais aller voir la mère Gothel en attendant. La mère Gothel, où est-elle? Elle est là. Comme ça, je vais lui faire un peu le dialogue. Et en même temps, je vais aller voir ma petite Ariel pour lui parler. Ok, tiens, je te donne ton item. Voilà. Bonjour. Merlin a pu aider. Il m'a dit que c'était une sorte de clé qu'on pouvait utiliser pour ouvrir la porte. Mais d'abord, nous devons l'enchanter avec des émotions, passion ardente, colère bruyante, joie parfaite et enthousiasme débordant. Joie parfaite, oh, je peux t'aider. Tu es une lumière merveilleuse après tout, tu m'as survécu. Chaque fois que je pense à toi, je ressens tout ta voix. Attends, je sens la belle, je la paix. Tu as réussi. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver 3. Je sais pour parler. Rémi, personne ne suis passionné que la nourriture que lui. Ok. Bon, bah, je vais lui parler à Rémi alors. La mère Gothel, t'es dans ta maison ou pas? Ah non, t'es là-haut. Ok. Donc on va aller lui faire la conversation quotidienne. Bonsoir. Alors attends, là il y a une épine. Hop, bonsoir. Allez, on va te faire la conversation. Je me sens un peu à plat, dépassé. Dis-moi quelque chose pour me remonter le moral. Tes cheveux sont si noirs et brillants. J'ai souvent pensé aussi que c'était une de mes meilleures qualités. Continue, il doit y en avoir d'autres. Tu es sans pitié. Oh, on va dire que c'est un compliment. Ah, je me sens bien mieux. Maintenant, merci, trésor. Nous n'en parlerons plus. Bon. Alors, sa fleur, est-ce qu'elle a poussé ou pas? Non, sa fleur, elle a besoin de boire, donc on va lui donner. Ah, glou glou. On va lui donner un petit coup à boire. Parce que madame la fleur, elle a soif. Toujours pas bon. Bon. Qu'est-ce que nous avons comme mission? Pourquoi Wally, je peux pas le faire encore. Ah oui, alors attends. J'avais ça aussi qu'il fallait que je regarde. Donc, de ramasse. Pour ramasser le cristal sur le piédestal. Et par contre, ça, je sais pas du tout.
sur le pied d'Estra dans les terres oubliées. Excusez-moi. Un pied d'Estral. Bon, là, des épines, il y en a pas mal, donc en vrai, non. Ouais, il est fini pour les épines nocturnes. Attrape des thons. Ok. C'est ce que nous ferons. Là, on a de l'or. Là, on a un petit caillou. On va bien entendu récupérer. Voilà. Extraire des minerais. Ouais, mais le pied d'Estral, j'en ai pas la moindre idée de où est-ce qu'il est. C'est pas ça? Le cristal noir. Ouais. En fait, le cristal noir est en celui-là. Ok. Je vais aller voir au passage pour ma petite fleur si elle est arrosée, enfin si elle a poussé, je continue, sinon je pars bien celui-là. Et ensuite on va aller voir Rémi. Ah bah voilà, elle a poussé, très bien. Ok. Fabrique la tête de pelle rugissante. Faut que j'aille vers chez moi. Ursula, où est-ce que tu te caches? Ursula, où est-ce que tu te caches? Là. Ok, bon, on va aller te voir. De toute façon, il y a une tube de craft juste à côté d'elle, donc ça tombe très très bien. Oh non! Oh, Ursula. Bon, on va aller fabriquer ma petite pelle. El pelo rugissante. Ok, ça c'est good. Hop, je vais utiliser mon amélioration de ma pelle. Et voilà. Alors, Ursula, où est-ce que t'es? Ah, t'es là-bas. Et ne t'en va pas, s'il te plaît. Tenez le cristal noir. Ah, mon ange de merde, c'est toi. Tu trouves quelque chose dans les ruines? Un cristal noir sur un piédestral. Fabuleux, c'est extraordinaire ce que je voulais. Il y avait 4 piédestrales dans ces ruines et quand je les ramassais, ils sont tous mes bruits. 4 piédestrales. Eh bien, les cristaux ont dû être éparpillés dans tout le village après lui. La lumière doit provenir des ruines que l'on appelle les cristaux. Cherche en partout dans le village. Remplace ces cristaux piédestrales et va voir ce qui se passe. Oh, je prends celui-là. Je vais en avoir besoin. Ok, bon. Je ferai ça après. Je vais continuer la quête de Scar pour les ossements sur El Ponto. Donc on va aller chercher, enfin on va aller enlever tous les ossements au niveau du pont. Ouh, pas mal d'argile. Oh, ça fait plaisir, ça. Bon, même si ça me sert plus trop à rien. Au moins, c'est de l'argile récupérée. Oh, il y a un petit coffre en plus, là. C'est pas piqué des hannetons, tout ça. Alors. On va enlever toutes les ronces. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le cristal d'Ursula. Bah, c'est très bien ça. On en a trouvé un sans même le vouloir. Ok, bon. Alors là, c'est bon. Alors, Scar, où est-ce que tu es? Scar, tu es là-bas, donc on va aller te parler, mon ami.
c'est pas le moment de dormir. Oui, le plateau se l'est restauré. Je présume que je dois te remercier. Tu as été très utile à présent. Maintenant, j'ai besoin d'une dernière chose pour mon royaume se restaurer. Je ferai mon possible pour t'aider. Je te ferai savoir quand j'aurai besoin de ton aide. Il était temps. Ah, toujours important. Il faut vraiment que je te remercie. Partageons un repas ensemble dans notre entre. Ça ne te ressemble pas du tout, mais bon. Que puis-je dire? J'ai juste besoin d'une surprise. Il y a cependant le petit problème de la nourriture. J'ai pris la liberté de te demander au joueur de fournir les plats adaptés à cette occasion. Il m'a donné des trucs bizarres là. Des recettes de saumon teriyaki et de la tarte aux groseilles. D'accord. J'ai hâte. Oh, crois-moi, tu ne peux pas être plus impatient que moi. Et n'oublie pas, c'est notre petit secret. Ok, on va l'utiliser. Ah ouais, pas mal d'ingrédients pour la recette du saumon temayaki. Et pour celle-ci, j'ai pas eu le temps de voir. Bon. Holy Pollution Crystal, I am here. On va aller parler à Monsieur Rémi, qui est là. Bonjour. Ouais, bah vas-y, tiens, Pierre, salle de Pierre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parle de ta passion pour la cuisine. Ça m'aiderait beaucoup. Bien sûr, j'adore parler de cuisine. Bon, comme tu as pu noter, je suis un rat. Et habituellement, les rats ne sont pas des chefs. Ou bien intéressés par la gastronomie. Mais la première fois que j'ai goûté un... Et quand j'ai commencé mes ingrédients, la frisson de la découverte, l'art d'assaisonner les saveurs pour créer quelque chose de neuf, je savais que j'avais trouvé ma voie. Et à présent, à chaque fois que je cuisine, c'est la même sensation. Et encore, je dois avouer que c'est vraiment... Il y en a une pas trop loin d'ici. Ouais, voilà, juste là. C'est bien ce que je me disais. Et direction les hauteurs glacées pour la dernière pierre. Début de la cascade, voilà. Je suppose qu'il va falloir aller poser les 4 pierres. Voilà. Hauteur oubliée. Donc let's go. Les terres oubliées. Rouille. Hein. Hop, 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 hop. Et dans la grotte. Ah non, là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller dans la grotte, mais non. C'est bien ici. Voilà. Et on va poser la première. Et on va poser la deuxième. Nous posons la troisième, suivie de la quatrième. Ouh! Apporte le cristal et viens là pour remplir la part du contrat. Alors, Ursula, où est-ce que tu te trouves? Ouh, il y a du monde en bas là. Mon dieu, ils sont tous donnés rendez-vous en bas ou quoi? Bonsoir, très cher ami. M'aurais-je l'occasion de te parler, s'il te plaît? Oui. Tenez le cristal du pouvoir. Le pouvoir, il est tout à moi. La possibilité que renferme ce cristal sera sous mon contrôle. Il est temps de respecter ta part du marché. Oui. Comme promis, mon ange des mers, ton pathétique prince Eric. Oh, ok. C'est encore une âme en perdition. Oh, c'est à toi de découvrir comment régler ça. Il faut toujours lire les petites lignes, mon chou. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais t'offrir un cadeau. Prends cette tenue et ne laisse pas ta jolie petite tête te préoccuper de mon pouvoir dans le monde. Je promets d'en faire. Oh, très, très, très joli. Bon. Mais. Le souci, c'est que... Bon. Ok. Mais
avant tout, on va préparer ces plats. Ah monsieur, et on va déjà un peu ronger tout mon inventaire parce que ça commence à être un peu le foutoir et j'aime pas trop ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai des fleurs donc je peux pas les ranger. Ah, m'a donné le cristal. Ah non, c'est un vieux truc caca. Là normalement il n'y a plus de fleurs, là il y a encore le cristal qui est là, donc on va le ranger. Ah c'est good. On va ranger tout ce qui est le poisson au passage, parce que là ça commence à être un peu beaucoup. Je sais plus combien de carpes je dois vendre. Je crois que c'est 20 carpes. Ouais, je crois que c'est 20 carpes que je dois vendre. Donc on va séparer. Voilà. Là, est-ce que je peux placer encore des trucs? Ouais, là c'est bon. Là c'est good aussi. Ok, bon après tout ça, là je peux aller le vendre. Ah oui, non. Son plat... Ah, Scar. J'avais complètement oublié. Ouais, mais attends, j'ai complètement zappé. C'est quoi qu'il fallait que je fasse, moi? Saumon, teriyaki et tarte aux groseilles de blanche. Saumon, teriyaki. Le saumon. PQR. Hop. Non, je me suis trompé. Non, 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 non. J'ai cliqué un truc trop bas. Voilà. Et sa tarte au gloseille, donc bien entendu c'est un dessert. Tarte au gloseille de blanche neige. Et voilà monsieur, c'est pour vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous plaire surtout. Va voir Scar dans sa grotte. Ok, on va aller voir Scar dans sa grotte. Sa grotte elle est là-bas. Ah, il est même pas dans sa grotte, il est à côté. Enfin, voilà. Rejoins-moi dès que tu peux. Ok. J'en ai fini avec toi. Allez, c'est parti, on te rejoint dans ta grotte. Voilà. Et hop, tenez monsieur pour vos plats. C'est vous qui régalez. Enfin, c'est moi qui régale, mais c'est vous qui vous régalez. Rien du tout, encore une fois, on me refuse ce qui m'appartient. Ça m'aurait pu lancer. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours pas compris ce pas. J'avais une idée en tête en t'invitant ici. Inutile de te cacher le plus longtemps. Je recherche une babiole. Tu l'as cachée il y a quelques longtemps pour me donner une autre de tes leçons. J'ai fait ça. Avant que tu ne partes la première fois, tu voulais me donner une leçon. Et tu as dit... Les bons monarques prennent soin de tout le monde, du plus grand au plus petit. Ils invitent tout le monde à la table. Et que ma babiole volée me serait rendue et que j'avais compris le sens de ces mots. J'espérais que si nous ne partagerons pas, c'est la brise sa stupide petite malédiction. Mais j'avais tort. Je vais par la mer et probablement aider à lancer l'enchantement. Peut-être qu'il pourra m'aider à le briser. Ce vieux moulin à paroles, ça complète. Hein. Merci tout. Oh lolo, il veut se détendre, Scar. Hein. Toujours à râler, tire. Oh,
Alors, au niveau de l'événement, extrait des minerais, faire des clients chez Rémi. Il y a bien un A là-bas. Voilà. Donc, je vais juste envoyer un petit message. Ça c'est fait. Je vais juste envoyer vite un petit message. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je ne sais pas, mais je vais aller voir Ariel. Alors Ariel. Ah oui, Vaiana. Il faut que je lui parle avant tout. Il faut que je te parle. Ouais, moi aussi il faut que je te parle. Bonjour. Oh, quoi sert cette petite dalle? En vrai, j'ai un peu la flemme de tout lire. Je t'avouerai que voilà. Et ensuite, parle à Ursula à propos de la colère. Ariel. Où est-ce que t'es, Ariel? Là-haut. Ariel. Elle était pas ici? Oh, la voilà en haut maintenant. Ah, c'est super stylé, je trouve. Attends, attends, t'en vas pas, s'il te plaît. Voilà. Oh, j'ai cru que t'allais t'en aller, toi. Oh, quoi? Qui... Oh non, Eric. Comment Ursula a-t-elle pu faire ça? Si bien, s'il te plaît, aide-nous. On devait nous sauver. Toi, tu veilles sur Eric. Moi, je vais aller parler à Merlin. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oh merci. J'espère que Merlin pourra nous aider. Bien sûr, il pourra. J'étais allé faire quelque chose. Ursula. Et ensuite, Merlin. Non. Ça va, elle est pas si loin. Bon, j'ai un peu la flemme d'écouter tout ce que tu viens de dire, bla 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 bla. Voilà. Dans la grotte mystique. Je sais pas trop de quelle grotte elle parle, mais on verra bien. Malheureusement, de pas de quelle grotte elle parle, je vais essayer celle-ci. Dans la grotte mystique. C'est peut-être celle-là en vrai. Je sais pas, mais. Enfin, pour moi, il n'y en a qu'une seule de grotte. Peut-être en bas. On verra bien. Et on descend. Et on descend. Lentement, mais sûrement. Et on descend, et on descend. Bah, ça a pas l'air d'être là. La grotte mystique. Où est-ce que ça peut être sinon la grotte mystique?
Je vais essayer toutes les grottes du jeu au pire, mais après je sais pas où est-ce que ça peut être. Peut-être là-bas, je sais pas du tout. On va aller voir. Mais voilà, c'est l'entrée du reçu là, ça n'a rien à voir du tout. Ouais, ça n'a rien à voir du tout ici. Où est-ce que ça peut être sinon? Je vais récupérer ça vu que je dois extraire 60 minerais. Ouais, la grotte mystique, mais ça m'aide pas beaucoup. La grotte mystique, où est-ce qu'il pourrait y avoir une autre grotte? Peut-être là-haut? Sur les monts glacés peut-être. Ouais, bon. Oh, j'en ai aucune idée si c'est vraiment là-bas. On verra bien. Mais j'en suis pas réellement sûr. Ouais, je peux tout de même essayer, mais ouais, non, là ça a rien à voir du tout. La grotte mystique, bah ouais, c'est bien. C'est bien ça, tout simplement. Découvrir ou placer la dalle dans la grotte mystique. Ah ouais, pourtant, je... Il peut y en avoir où encore des grottes là-dedans. Bah ouais, donc c'est bien celle-ci quoi. C'est bien la grotte où j'étais. Au niveau de la plage. C'est bien. Ou là peut-être non. Non, là il n'y a rien à faire. Enfin, pour le moment il n'y a rien à faire. Mais donc je vais retourner Ah, attends. À un moment, je crois que j'avais placé des torches avec la mergotelle tout en bas.
Et je crois qu'il y avait une porte à droite. Attends. Attends, je vais juste manger quelque chose pour aller un peu plus vite. Voilà. Et je crois qu'il y avait il y avait une porte à droite au niveau des torches. Alors attends. On est bientôt en bas. Voilà, bah oui. Voilà. Hop. Va voir Ariel dans sa maison. Ah voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Fallait juste que je me souvienne de où est l'endroit. Ah ouais, la grotte mystique, bah oui, c'est celle-là. Avec ses mystères et tout, bah oui. D'où le nom l'indique, grotte mystique, mystère. Bon, au moins, on a trouvé ça. On n'a plus qu'à aller chez Ariel. Il pleut encore, dis donc. Hein. Bonsoir Ariel, je te rends visite. Bonjour, Tony, madame. Voilà le cristal mystique. Et voilà, j'espère qu'il va te servir. Ils sont donnés tout seul pour se cacher le petit cristal comme si, tu sais, hein, ça ressemble au Christ. Les objets que je trouvais sur l'île déserte. Oh, toutes ces choses, hein, avant d'oublier, je suis contente, ça pourrait être notre secret. Tu es une véritable amie, je pensais justement la même chose de toi. Je vais t'honner, c'est pour te remercier tout ce que tu as fait, une superbe même pour notre prochaine aventure. Oh, ok. Merci beaucoup. C'est incroyable. Ok, bon. Ah oui, bah attends, il faut que je demande... Ah non, merde, il faut que j'aille voir Merlin. Donc, hop, on retourne en arrière une nouvelle fois. Et on va aller voir Merlin. Bon. Mais déjà, je vais aller vendre un peu tout mon bardac, là. Parce que là, il commence à y avoir un peu de trucs. Donc, je vais aller voir Merlin, je vais aller vendre tout ça. Ensuite, on va continuer. Bonjour Merlin, bonjour toi, super, attention. Quel nom mystérieux, Scar, je vais t'aider. Voilà, très bien inspiré. Ok, d'amitié, ouais, blabla. Là, j'ai un petit peu la flemme de lire. Voilà. Ok, bon. Place le château d'Eric dans le village. Ok. Déjà, je vais vendre tout ça. Ouais, je t'ai un goût. Bien, bien. Allez, je te vends tout ça. Cadeau de la maison. Voilà. Et on a vendu nos petites carpes, récolte des champignons. Oh bah ça, des champignons, techniquement, ça devrait pas être très compliqué. Ça devrait pas être très compliqué, il y a pas mal de trucs à champlats. Donc en vrai, on va essayer d'en récolter un maximum. Et on verra bien, 2, 3... On va aller voir en bas, 3, et 2, 4, et 2, 5... là il y en a pas, là il y en a pas, il y en a pas. Et de 6, là on part sur le 7ème. Hop, le 8ème. Ok. On vérifie bien à droite à gauche. On en a que 8 pour le moment. Hop, 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 hop. Le 9ème, le 10ème, le 11ème, voilà. Bah là, c'est à peu près tout ce que je peux avoir comme champlain ici. 11. Ouais, pour le moment, c'est après tout. Ah, là, c'est à peu près tout ce que je peux avoir. Putain, j'ai pas fouillé dans ce que j'ai dit, quoi. Ok, bon, eh bien, on va aller placer la maison, enfin le château d'Eric dans le village. Donc je vais le placer comme d'habitude sur la plaine, où on place toutes les autres maisons. Et voilà. Donc là, on a celle de Wally. Au pire, je peux mettre...
Ah ouais, tout a... Ah ouais, y a tout qui a été rebouché ici. Ok, bon bah je ferai ça un peu plus tard. Au pire, sa maison, à lui, je vais la mettre là. Est-ce qu'elle est grande ou pas? Oh! Ok. Donc, je vais déplacer un peu tout ça. Au pire, je vais mettre ça. Je vais mettre tout ça là. Là, l'arbre. On va pas le mettre sur la route. On va le laisser là. Hop, voilà, la petite décoration. Je peux toujours la laisser ici. Voilà. Ah ouais, ça passe pas sur le truc. Est-ce qu'avec le buisson, ça va passer ou pas? Ok, nice. Et nice, voilà. Et on peut placer. Oh, le château d'Eric, il est insanement grand, quoi. Ouais, bah, je vais le mettre. Par contre, je sais pas c'est quel sens. Ça doit être là. Voilà. Bon. Mon avis, il va me coûter un certain d'argent. Donc, combien pour le construire? 10 000. Ouais, bah vas-y, on construit sa maison. Oh, waouh! C'est beau. Ok, mais bon, moi je vais arrêter là un petit peu. De toute façon, on se retrouvera très vite. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure tout le monde. Ciao, ciao!